Yo, salut tout le monde, c'est Fanny Elfette qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo, on va parler de Pokémon Go tout simplement, parce que j'ai vu une méthode, enfin une méthode qui a été plutôt réalisée, avec mon consentement on va dire, qui a permis donc de débloquer en fait un compte qui était banni. Donc en fait donc ce compte, cette méthode plutôt, je crois qu'on est les premiers à tester ça en fait, et c'est une méthode très très simple, donc je vais vous la donner directement. Donc quand vous avez votre compte Pokémon qui est ban, il y a une méthode vraiment hyper simple. Si par exemple vous êtes banni sur un iPhone, arrangez-vous tout simplement pour prendre un Samsung d'un ami ou un téléphone qui tourne sur Android. C'est ce que j'ai eu avec un collègue donc, qui était banni sur son compte, sur son iPhone, iPhone 6, je pense, ou 6S. Donc son compte était bloqué. Et donc je lui ai dit, bah, essaye de te connecter sur mon compte Android, peut-être que ça va marcher sur le mien. Et en fait, il s'est tout simplement donc connecté donc, sur mon compte, sur mon Android plutôt, avec son propre compte. Et donc sur Pokémon Go, et il s'est donc tout simplement, ça a marché, il s'est connecté normalement à son compte, donc par le biais de mon téléphone. Et après, en fait, donc tout simplement, lorsqu'il a voulu se reconnecter à son compte via son propre téléphone, il était débanni, il pouvait à nouveau se connecter. Donc voilà, donc si vous avez utilisé des cheats ou si vous avez été banni de façon vraiment, on va dire, abusée ou abusif, voilà, que vous avez rien fait de mal mais que votre compte a été supprimé pour X ou X raisons. J'ai entendu par exemple qu'un gars qui a mis son jeu en pause. En Europe, qui a pris l'avion pour aller aux États-Unis, qui a débloqué le, qui a rallumé son jeu aux États-Unis, s'est fait bannir parce qu'ils ont pensé qu'il s'était téléporté parce que son jeu était en veille. Et donc ça l'a TP de, par exemple, de Paris à New York en un coup. Et donc Nintendo ou en tout cas les administrateurs de Pokémon Go ont pensé donc qu'il avait cheaté et ils ont donc supprimé son compte de façon complètement abusive du coup. Donc voilà. Donc si vous avez été supprimé de façon abusive ou même pas abusif, si vous avez utilisé des cheats ou autres. Et que vous voulez récupérer votre compte et vos Pokémon que vous avez gagnés, bah, essayez cette méthode. Arrangez-vous pour avoir, si vous êtes sur iPhone ou sur Android, si vous êtes sur iPhone, arrangez-vous pour avoir apprêté l'Android d'un ami, d'un membre de la famille, d'un cousin ou autre, voire d'un collègue de travail. Connectez-vous vite fait donc sur son compte, sur son Pokémon Go, mais via votre compte. Ça débloquera, ça vous débannira. Et donc voilà, et si vous êtes par exemple sur Samsung, arrangez-vous pour vous connecter sur iPhone, même si cette méthode je ne l'ai pas essayé, donc j'ai essayé la version bannissement sur iPhone débloqué via Android, la version bannie sur Android débannement via iPhone, je ne garantis pas qu'elle fonctionne. Allez, salut tout le monde, à la prochaine!